Monique Pinson-Charlot et Michel Pinson pour leur dernier ouvrage, donc, qui s'appelle « Tentative d'évasion » avec, entre parenthèses... Fiscale. Fiscale, voilà. Hein, puisque, pour ce qui est de la tentative d'évasion, ça peut arriver après qu'on ait des soucis avec le fisc. Hein. Mais encore, on va voir, vous dites que finalement... Il n'y a pas forcément beaucoup de soucis pour ceux qui le font, si j'ai bien compris hein, votre ouvrage. Enfin bon. Bon. Alors peut-être une première question qui porte sur votre intention, à tous les deux, vos intentions. Page 213-214 de votre ouvrage, j'ai relevé que vous revendiquez, pratiquez une sociologie d'investigation. C'est le terme que vous employez. J'ai une première question, sans rentrer dans les détails épistémologiques qui seraient compliqués. Quels sont les outils méthodologiques particuliers que ce type de recherche induit et mobilise? En gros, comment faites-vous? On fait d'abord comme on a toujours fait, c'est-à-dire qu'on commence par lire tous les livres très nombreux sur la fraude fiscale, l'évasion fiscale, l'optimisation fiscale, les paradis fiscaux. Et on regarde des documentaires, et à partir de toutes ces lectures et de tous ces visionnages, nous avons compris quel était le manque, qu'est-ce qu'on pouvait apporter à la connaissance de ce fléau terrible, du fait que les plus riches, puisque forcément ceux qui fraudent, c'est qu'ils ont quelque chose à frauder, donc c'est forcément des gens qui ont de l'argent et pas ceux qui ne payent même pas d'impôts. On s'est dit, au fond, ce qui manque, c'est la construction du mécanisme d'ensemble. C'est-à-dire que souvent, les dominants construisent le réel de manière institutionnelle, c'est-à-dire qu'on vous donne en pâture, en bouc émissaire, des petites îles lointaines avec sable blanc, palmiers et belles bleues, alors qu'en réalité, si on lit correctement tout ce qu'on a lu, on s'aperçoit que l'évasion fiscale se passe au cœur des grands États les plus développés, puisque le paradis fiscal le plus important est, en termes de dépôt, c'est l'État du Delaware au cœur des États-Unis. Et qu'il se passe aussi des choses intéressantes sur le paquebot de Bercy. Alors après, je me tiens à la méthode et j'essaye d'être brève. Et puis ensuite, nous sommes partis tous les deux avec nos valises à roulettes pour la Suisse. Oui, et nous avons essayé d'ouvrir un compte à HSBC Private Bank, banque. On va voir que ça a été assez cocasse, d'autant si je puis dire qu'il y avait récidive, puisque j'avais tenté l'affaire déjà une première fois, voilà. Il y a 19 ans, je crois. Non, alors donc, sociologie d'investigation, on adopte un ton narratif, un ton ludique et un ton impertinent pour essayer d'emmener nos lecteurs au cœur de l'opacité financière, sans timidité, parce qu'au fond, on a trouvé que ça nous a occasionné beaucoup de souffrance, beaucoup de timidité, beaucoup d'intimidation. La puissance du secret fiscal, du secret bancaire et du secret des affaires, ça vous plombe complètement. Vous n'avez qu'une envie, c'est de partir jouer à la pétanque avec votre mari et puis de plus penser à rien du tout. On n'écrit plus de livres. Vous êtes un médiateur c'est pour Michel. J'avais bien raison de vous placer entre voilà, nous deux. C'est pour que Michel Pinson puisse aussi expliquer de son côté. Je pense que j'ai un rôle très difficile, parce que je pense que ça va partir des deux côtés. Bon, c'est très bien. Est-ce que vous avez pratiqué de la même manière pour pénétrer dans ce monde, Monique, vous disiez opaque, etc., que quand vous êtes rentré chez les riches, quand vous avez fait ce travail qu'on connaît bien sur les beaux quartiers et les riches, qui a été vraiment votre terrain de recherche, si je puis dire, votre terrain de chasse pendant pratiquement toute votre carrière, une partie de votre carrière importante, chasse à court, on va dire, en effet. Ça dépend comment on l'écrit, mais on a compris effectivement le jeu de mots. Est-ce que vous faites pareil avec les banques? Est-ce que les banques, c'est l'aristocratie de... fermé. Il est clair que nous étions pour ce travail sur la fraude fiscale dans une situation délicate parce que c'est un délit plus ou moins sanctionné, mais un délit et qui n'est pas de public. Donc il faut avoir des sources qui ne sont pas, comme pour les travaux antérieurs, offertes par un contact
avec une certaine empathie, c'est-à-dire que pour travailler sur la grande bourgeoisie et sur son rapport à l'espace urbain, par exemple, la façon de choisir son domicile, c'est assez simple. On peut parler volontiers du souci d'être dans un environnement agréable et favorable, par exemple, à l'éducation des enfants. Bon. Alors ça, ça ne pose pas de problème. Par contre, la fraude fiscale, c'est pour ça que c'est un peu de l'investigation. Il faut arriver à trouver des informations qui ne sont pas du domaine public, d'un domaine aussi avouable, qui puisse être dit affichable, quoi. Affichable, sans difficulté par les personnes concernées. Pour cela, nous avons utilisé des sources indirectes. Par exemple, nous avons fait des interviews d'inspecteurs des impôts sous anonymat, bien entendu. Nous avons aussi cherché dans... nous avons tenté de faire un peu nous immiscer dans le processus. Ça n'a pas très bien marché. Nous immiscer dans le processus de fraude et voir comment ça pouvait fonctionner. Alors... En fait, votre livre commence, c'est vrai, c'est un peu comme un polar, mais dès la première page, en 21 secondes, vous tapez sur Google « création d'un compte offshore » et là, vous avez 524 000 résultats à la requête qui s'affichent. Donc, comme on dit, il n'y a plus qu'à. Hein. Votre voyage commence. Alors, avant de taper comment création d'un compte offshore, comment est-ce que l'idée de cette recherche vous est venue? Est-ce qu'il y a eu un fait déclenchant? Vous savez, Sartre, vous parlez tout le temps des soucis profonds et des causes occasionnelles. Vous c'est quoi est-ce qu'il y a eu une cause occasionnelle? Ben, c'est-à-dire que, disons que la fraude fiscale est une préoccupation que nous avons depuis plusieurs livres. Si vous lisez correctement nos livres, vous vous êtes rendu compte que dès les ghettos du Gotha, on montre comment la famille Mullier s'installe à Estampouy, à 500 mètres de la frontière française, à 500 mètres de Roubaix, pour bénéficier des faveurs fiscales de la Belgique. Dans Le Président des Riches, on a étudié sous la présidence de Nicolas Sarkozy comment il a fait des cocoricos extrêmement puissants en disant que les paradis fiscaux s'étaient terminés et nous montrions que bien au contraire, la fraude fiscale n'a fait que s'intensifier pendant la crise financière. Voilà, donc c'est un sujet de préoccupation. Et puis, il nous a semblé qu'avec la préparation du TAFTA, du traité transatlantique, où les multinationales auront un pouvoir supérieur aux États-nations, il était temps que nous nous penchions sur la fraude fiscale des plus riches pour montrer qu'il s'agissait là du choix, de la volonté d'une oligarchie aujourd'hui mondialisée pour contourner, pour ne plus répondre aux demandes de solidarité des États-nations. Vous voyez un objectif assez élevé. Au fond, la fraude fiscale étant une arme dans la guerre, c'est les lunettes que nous proposons, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de les adopter, que la guerre que les plus riches mènent contre les peuples à l'échelle de la planète, la fraude fiscale était une arme décisive pour nous, sociologues, à bien comprendre dans son fonctionnement et dans ses objectifs de passer au-dessus des États-nations et de renoncer, de ne plus vouloir contribuer aux solidarités à ce niveau-là. Michel, à vous. Vous commencez, donc vous dites, on est parti avec notre petite valise à roulettes sur les bords du lac Léman, hein, vous arrivez donc à HSBC. Hein, au passage, d'ailleurs, on parle tout le temps de HSBC, mais
On dit rarement ce que c'est. Hein, c'est Hong Kong, Shanghai, hein, banque. Et puis, compagnie ou... Bah, je ne sais pas, vous le savez mieux. Non, non, oui. C'est, vous l'écrivez dans le livre. Hein, voilà. On s'en rappelle plus. Non, parce qu'on oublie souvent ce que veut dire ces quatre lettres-là. Hein, voilà. L'âge aidant, je l'ai oublié aussi. Le H mais, et le S, c'est Hong Kong et Shanghai. HSBC, c'est intéressant de savoir l'origine. C'est une banque anglaise qui a été fondée... en Chine, oui. Qui est maintenant, le siège social est à Londres, et c'est une banque internationale d'ampleur considérable. Tout à fait considérable, oui. Alors, la vraie surprise que vous avez, c'est que vous dites, en fait, on avait déjà tenté le coup, hein, il y a 19 ans, d'ouvrir un compte numéroté en Suisse, et c'était beaucoup plus facile. Il y a 19 ans, et là vous êtes tombé sur des gens méfiants. Alors j'avais une question un peu provocatrice, puisque vous n'hésitez pas dans le livre un peu à faire du rentre dedans. Est-ce que c'est parce que vous aviez un meilleur genre peut-être il y a 19 ans, je sais pas moi. Il y a 19 ans, il n'y avait pas eu encore de scandale très 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 violent, enfin, sur les questions de fraude fiscale. Lorsque nous sommes entrés dans les locaux de HSBC, il y avait déjà en cours un gros problème, parce que ce qui s'appelle le Swiss Leaks était déjà en marche, c'est-à-dire la révélation d'un nombre considérable de fraudeurs émergeant sur les cahiers d'HSBC. Autrement dit, ils étaient sur le qui-vive, et lorsque nous sommes arrivés, ils nous ont repérés tout de suite comme de faux milliardaires. On ne faisait vraiment pas le poids. Donc, il a fallu que nous battions en retraite rapidement, alors que à Lausanne, la première fois, c'était en 1994, si je me souviens bien. Ouais. Ce qu'on est entré là, on était encore jeune et pas très bon, un peu bon, pas très bourgeois dans l'apparence. On entre, c'était UBS. On entre dans une agence d'UBS et on dit à la première personne qu'on voit, on aimerait bien ouvrir un compte là chez vous parce que on aimerait bien, vous savez, les problèmes du fisc. Oh, tout bien. C'est la porte là-bas. On entre dans un bureau avec une porte capitonnée là à l'intérieur pour que le bruit ne passe pas. Et on dit au monsieur très poli et très courtois qui nous reçoit, voilà, nous avons fait un héritage, ça représente quand même 200 000 francs, on va avoir des impôts dessus, qu'est-ce que vous pourriez nous conseiller? Il dit, on peut vous ouvrir un compte. Vous n'aurez pas un compte à votre nom, vous aurez un compte à votre numéro, ce numéro sera l'identification de votre compte. D'autre part, si vous avez, lorsque vous rentrez en France, besoin de nous contacter, ne nous appelez pas au téléphone, ne nous écrivez pas. Nous avons des correspondants à Paris qui ont des moyens de transmettre très discrètement vos messages. Vous vous adressez à eux et ils feront le nécessaire pour nous avertir. Alors on dit d'accord, très bien, ça me paraît très intéressant, on s'en va, vite fait, et on laisse les choses en l'état parce qu'en fait on n'avait pas beaucoup de sous. Bon. Et donc, là, par contre, effectivement, 20 ans plus tard, vous dites, les banques suisses n'en sont plus à l'accueil complice et amusé du tout venant. L'heure est à la précaution. Voilà. Oui. Ouais. Ce que nous avions appris dans ce premier, première tentation, tentative, c'est pas un lapsus, c'est exprès. Cette première tentative à Lausanne. Ce que nous avions appris, c'était que c'était tout simple. Parce que si ça avait été vrai ce que nous avions raconté à cet employé, qui d'ailleurs présentait très bien, si c'était vrai, ça marchait, c'était engagé, et c'était engagé sur une base très, très simple. Donc, ce que nous avons appris, c'est que ce n'était finalement, c'était en Suisse, en tout cas... la vie quotidienne, c'est normal. Et on sentait bien que tous les jours, ils avaient des gens qui, ou
presque tous les jours, il y avait des gens qui venaient pour l'ouverture de comptes discrets comme ça. Donc, lorsque nous avons voulu revenir sur le thème de la fraude fiscale aujourd'hui, nous avions en tête ce schéma-là. Et on a constaté très vite, avec notre entrée à HSBC, où on s'est fait tout de suite surveiller par trois individus très bien habillés, mais très carrés. Hein, et on s'est dit, là, ils vont nous virer. On a senti que le climat était devenu autre. Le climat était la défiance. Alors, dans votre livre, vous citez l'histoire d'un certain Yves Bouvier. Vous allez peut-être nous dire exactement, revenir sur ce personnage, qui, entre autres, a été mis en examen le 25 février 2015 pour escroquerie et complicité de blanchiment, hein, par un juge d'instruction de Monaco. À propos d'Yves Bouvier, vous citez les propos d'une avocate qui vous a, je crois, aidé, Claude Dumont-Bégui, hein, qui dit, lors de son édition au Sénat, parce que les commissions d'enquête du Sénat, c'est une vraie matière aussi pour le travail que vous avez conduit, je crois, enfin, ça apparaît clairement. Matière essentielle. Hein, matière essentielle. Et Claude Dumont-Bégui, qui témoigne donc sous serment devant une commission d'enquête du Sénat, dit il y a des gouffres pour cacher son argent, en particulier les fameux ports francs, et la Suisse est un trou noir d'une rare violence pour l'Europe. Je rebondis sur le mot violence, parce que vous parliez d'une menace éventuelle physique, une pression physique, mais il y a la violence symbolique, on va dire, que constitue la Suisse avec ce formidable vortex, en quelque sorte, hein, qui permettrait de tout cacher. Alors, Laissez-moi. Alors, sur la Suisse, allez-y. Oui. Allez-y, voilà. Parce que, voilà, vous posez une question, il faut qu'il y ait notre réponse. Allez-y, allez-y. Et donc, oui, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que donc, à HSBC, bien entendu, on a été ridicule, parce que si vous voulez l'opacité, l'opacification de la fraude fiscale entre 1994 et aujourd'hui, c'est accru dans des manières de façon considérable, et on n'arrive pas, de pauvres bougres, dans l'immense hall de HSBC avec l'affaire Falciani qui défraye la chronique de tous les journaux du monde entier, comme cela. On arrive avec des avocats fiscalistes, on a déjà pris des contacts par téléphone, on a déjà fait des montages un peu compliqués avec des trusts, des sociétés écrans, etc. Donc voilà, donc il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et ce qu'on a ressenti dans le hall de HSBC, c'est un pouvoir menaçant, une force, quelque chose qu'on décrit avec les mots de la littérature dans le couple, l'écrivain Saint-Michel, qui trouve toujours les bons mots pour ramasser les résultats de nos sentiments. Mais alors, ce qui nous a fascinés, c'est qu'à l'intérieur du paradis fiscal qu'est la Suisse, il y a les ports francs. C'est-à-dire, on est face à des poupées gigognes, et encore, on ne sait pas tous les secrets. Alors, les ports francs, donc dans notre livre narratif, on propose des promenades sociologiques, et notamment, si vous acceptez de nous suivre à Genève, on vous emmène voir ces ports francs. Et là, on se retrouve... Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est des endroits... Alors, ce n'est pas du fric, contrairement à ce que vous avez dit, c'est des œuvres... Enfin, là où on est allé, c'est des œuvres d'art. C'est-à-dire qu'on était face à un énorme container de luxe avec au moins 1000 Picasso d'après Claude Dumont-Bégui dedans, beaucoup d'œuvres d'art. On avait pénétré dans ce port franc grâce à Élise Lucet lors d'un cache investigation sur l'affaire Wildenstein, où on voyait Sylvia Wildenstein venir voir les 19 bonnards dont elle avait l'usufruit, donc elle pouvait venir voir dans ce port franc, mais pas la nue propriété. Et en réalité, si vous voulez, ces ports francs que nous avons vus à Genève et que nous avons retrouvés à Luxembourg, tout près de l'aéroport, celui de Luxembourg étant encore plus grand, encore plus luxueux, mais toujours sans fenêtres, avec des tas de caméras de surveillance, c'est donc des coffres-forts pour des œuvres d'art.
Et bien entendu, bons sociologues comme nous sommes, nous avons fait des hypothèses. Et les hypothèses, évidemment, de la spéculation, puisqu'il n'y a pas de TVA, il n'y a pas de droit, c'est hors sol, si vous voulez, comme une ambassade. Il n'y a pas de droit de douane, il n'y a pas de TVA, voilà, tout ça à payer. Et on s'est dit avec Michel, bon, ben c'est une manière de spéculer, voire peut-être de blanchiment de l'argent. On attend la prescription. Et puis, on remet l'œuvre d'art sur le circuit du marché de l'art. On vend et on rachète des immeubles, voire des belles maisons dans des îles paradisiaques, un petit peu. Vous voyez, on parle pas mal de la famille Balkany dans notre livre. Donc voilà, ça permet de faire des hypothèses de ce genre. Michel ? Oui. Alors, dans le cas précis, par exemple, de ce Bouvier-là, il est en contentieux avec Ribolovlev, qui est l'oligarque russe patron de l'AS Monaco. Hein, là, en fait, c'est quoi ? C'est des crocodiles qui se bouffent entre eux. Oui, alors Yves Bouvier, je ne l'ai pas dit, c'est donc le propriétaire de tous ces ports francs. Il est propriétaire de Genève, de Luxembourg. Il a construit un nouveau port franc à Shanghai, un Suisse, à Shanghai, à Pékin. Et bah bien entendu, peut-être qu'il spécule. Moi, je suis pas. Il n'a pas encore été vraiment jugé, donc il est présumé innocent. Mais si vous voulez, c'est un monde de spéculation. Et en tout cas, nous, on fait l'hypothèse. Il y a eu Offshore Leaks, LuxLeaks, SwixLeaks. Et donc, nous, on pense que le prochain truc, ça va être ArtLeaks. Et on pense qu'il y aura des gens assez connus en France qui pourraient peut-être figurer dans. D'accord. Voilà. Mais enfin. Si on remonte dans le temps, à vous lire, vous dites une des premières grandes affaires de fraude fiscale, c'est 1932, sous Édouard Herriot. Il y a près de 1000 noms qui circulent, et c'est une grande affaire de scandale financier et d'évasion fiscale vers la Suisse. Vous pouvez un peu nous raconter cet épisode historique, Monique ? Qu'est-ce que c'est toi ? Oui. Chacun son tour. Tu compléteras si au besoin. En 1932, il y a certainement eu des fuites quelque part. En tout cas, deux banquiers suisses en séjour à Paris sont arrêtés dans l'hôtel où ils résident et on trouve avec eux dans leur bagage, en tout cas, on trouve des listes de clients français qui ont ouvert des comptes non déclarés en Suisse. C'est 1932 et c'est finalement la première grosse affaire, semble-t-il, d'évasion fiscale que l'on ait repéré. Et là, on trouve, alors, il y a des sénateurs, des évêques, oui. Des industriels, des financiers, des politiques, en veux-tu, en voilà. C'est-à-dire que tous les responsables des positions les plus élevées dans tous les secteurs de l'activité économique et sociale de ce moment-là sont présents, la famille Peugeot, sont présents dans cette liste. Et puis, ça se passe très mal. Et puis, finalement, personne n'a été condamné et poursuivi. Et aujourd'hui, les fraudeurs les plus riches ne vont jamais, pratiquement jamais, au pénal. Et s'arrange à Bercy, on va en parler, s'arrange à Bercy pour passer au confessionnal, payer une amende en prière, on vous donne le pardon et les portes du paradis vous sont à nouveau ouvertes. Alors, à propos de ce scandale de 32, vous citez un universitaire de Lausanne, hein, Sébastien Gex, qui évoque le secret bancaire et qui a cette formule tout à fait passionnante. Il dit, finalement, le secret bancaire, il permet de déplacer le rapport de force d'État à État. Vous pouvez expliquer un petit peu ce qui s'est passé à cette occasion-là, parce que c'était un peu l'émergence de la Suisse comme l'État protecteur de tout ça. Voilà, alors à la suite de la révélation de cette immense fraude, avec la complicité de la Suisse, hein, puisque la Suisse n'avait pas dénoncé tous ces gens-là qui avaient des comptes non déclarés à la banque commerciale de Bâle. Du coup, le scandale a été tellement énorme en cette période mouvementée que la Suisse
à la suite de cette histoire, a décidé d'inscrire le secret bancaire dans la Constitution, de telle sorte qu'à partir de ce moment-là, les discussions n'étaient pas entre les banquiers de Bâle et le ministre de l'économie et des finances de France, mais c'était l'État suisse face à l'État français. Et donc ce secret bancaire suisse est devenu un bien commun à la population suisse. Et aujourd'hui, c'est ce secret bancaire qui est menacé à partir du 1er janvier, pour ce qui concerne la Suisse, du 1er janvier 2018. Et vous comprenez bien que dans cet échange automatique qui a été signé par la Suisse pour le 1er janvier 2018, on dit « la Suisse a renoncé à son secret bancaire ». Bien sûr que non, parce que ça ne concerne que les comptes nominatifs et bien entendu toutes les constructions aujourd'hui extrêmement opaques de trusts qui sont baladés dans différents coins de la planète où les avoirs qui sont non déclarés n'ont pas de propriétaire, c'est-à-dire qu'il y a une dissociation entre l'avoir et le nom du propriétaire. Alors comme par ailleurs les fonctionnaires du fisc diminuent à une vitesse grandiose dans tous les grands pays développés, à mon avis la fraude fiscale très opaque a de beaux jours devant elle. La fin du secret bancaire, c'est ce que l'on donne en pâture aux classes moyennes et aux classes populaires pour faire croire que les paradis fiscaux c'est terminé. Moi, j'ai noté une phrase toujours à propos de 1932. Peut-être, Michel, vous pouvez en dire quelques mots. C'est une phrase qui est très forte. Vous dites « Le scandale révélé en 1932 montre l'ancienneté d'une solidarité transnationale des plus riches dans leur refus de contribuer par l'intermédiaire de l'impôt à la reconstruction d'une société alors largement ravagée par la Première Guerre mondiale. » Et on a effectivement sort de la lecture de votre livre avec une impression forte, je pense que c'est le message que vous vouliez faire passer, selon laquelle il y a soustraction véritablement à une dimension d'effort collectif ou de solidarité. Les personnes dont vous parlez s'exonèrent de cette responsabilité complètement. Objectivement, il n'y a pas nécessairement une volonté de fuite des responsabilités devant les besoins des États. Ils sont conscients. Peut-être qu'ils se trouvent de bonnes raisons de ne pas remplir ces obligations. Mais toujours est-il que c'est une constante, parce que bien sûr 32, il y a eu tellement d'événements entre 32 et 39 et ensuite ce n'était plus tellement le problème. La fraude fiscale, ça a repris certainement à partir des années 50 très fort, et ce qui est indéniable, c'est qu'il y a de toute façon une rupture avec les fondements des États qui sont ainsi auxquels ainsi une partie importante des ressources sont ne sont pas versées. Et ce manque est très important parce que pour la France, il doit être de l'ordre de 80 milliards d'euros par an. 80 milliards d'euros par an permettraient de rembourser la dépense publique. Donc il y a là un poids sur l'État qui est très nocif, et ces familles ou ces industriels ou ces hommes d'affaires qui refusent l'impôt, la contribution, se mettent évidemment hors la loi. Alors, vous citez Gabriel Zucman, on connaît Gabriel Zucman
Il a fait des travaux tout à fait passionnants. Donc, son livre de 2013, c'est La richesse cachée des nations, hein, avec, vous dites, 80 milliards, Michel. Ouais. Lui, il dit les Français détiennent à peu près 350 milliards d'euros offshore, dont la moitié en Suisse. Mmh. Vous écrivez que parmi les 300 plus riches de Suisse, figurent en 2014 49 exilés français, dont 18 milliardaires en France suisse. Alors, c'est là que je montre au public présent et aux caméras deux pages, 32-33, hein, c'est la liste, le palmarès, on va dire. Et alors, dans les trois premiers, des plus riches français de Suisse, Gérard Weitermer, la famille Weitermer, on va y venir, je pense, Patrick Drahi, le Patrick Drahi qu'on entend beaucoup évoquer dans les médias aujourd'hui, qui rachète tout ce qui s'écrit, etc., et la famille Castel. Alors vous êtes à Bordeaux, deux des trois ont des châteaux dans le Bordelais. Ah ben, c'est sûr. Je vous le dis. Hein. Oui, mais on est bien embêtés pour eux, hein, mais... Nous, qu'est-ce que vous voulez ? On fait notre travail de sociologue. Et voilà, ben, y a des journalistes qui travaillent en Suisse, qui font comme challenge, qui font des bilans, des palmarès. Ça s'appelle bilan, d'ailleurs. Ça s'appelle bilan. Des palmarès, des grandes fortunes en Suisse. Et puis, ben, nous, on n'y peut rien. Hein. Il y a 49 Français qui sont là, dont 18 milliardaires, dont la famille Peugeot, qui était déjà présente en 1932 dans la première liste. Et je pense qu'un des aspects de la force et de l'impertinence de notre livre, c'est précisément de donner les noms. Il n'y a pas de scoop, hein, dans notre livre, vous voyez, c'est des noms qu'on a pris dans la presse, et puis on a fait une compilation pour montrer que c'est une classe sociale dominante dans toute sa diversité, dans tout son collectivisme, qui fraude, qui refuse de contribuer à la solidarité nationale. Et notre propos est encore plus impertinent, puisqu'il montre que cela se passe avec la complicité des plus hautes autorités politiques, qu'elles soient de droite ou de la gauche libérale, de l'État français. Et je pense que le chapitre, enfin je ne sais pas ce que vous en avez pensé, du chapitre « Le paquebot de Bercy » qui vogue sous pavillon de complaisance, si ça vous a plu. Ah, tout à fait, c'est tout à fait passionnant. Ne vous inquiétez pas, on va y venir, on a le temps. Toujours au chapitre des justifications, ça rejoint un peu ce que vous évoquiez, Michel. Moi, j'ai été très frappé par la remarque d'un dénommé Paul Dubrul. Alors, on ne connaît pas forcément Paul Dubrul, mais enfin quand même, quand on va dire à quoi il est raccroché, c'est l'ancien patron du groupe Accor. Rien que ça, quand même. Hein. Alors lui, il compare la France à une épouse insupportable dont on divorce, expliquant ainsi qu'il est parti chez le voisin qui est un peu plus supportable. C'est d'un cynisme absolu. Est-ce que ça veut dire que, quand même, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de rencontrer quelques-uns de ces pères drôles, mais est-ce qu'ils vous ont comme ça raconté... Enfin, ils trouvent un discours de justification qui est quand même très fort. Ils ne sont pas en tort, quoi. Oui, je ne sais pas s'ils se justifient. Ils sont plutôt sur le registre de... Il y en a marre, il y en a assez. À la rigueur, hein, c'est plutôt ce registre-là. Ils souffrent, quoi. Ils ont l'impression de souffrir. Vous avez... des personnes qui ne peuvent pas... Enfin, c'est vrai que le poids de l'impôt est lourd. Est lourd pour parce que il peut se mesurer en millions d'euros. Mais en même temps, c'est une partie de richesse énorme qui sont accumulées par ces gens-là. L'impôt en France n'est pas confiscatoire. On ne va pas jusqu'à enlever toutes les ressources. Il en reste encore considérablement. Nous sommes, Monique et moi, avec des salaires corrects. Et des pensions maintenant, des pensions. Oui, des pensions correctes. Bon, on est à la retraite. On ne comprend pas. C'est intéressant à creuser, je pense. On ne l'a peut-être pas fait tellement. Mais d'abord, parce que nous, on n'a pas le choix, mon cher Michel. Nous, tous les centimes qu'on gagne sont déclarés par le fisc.
qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Voilà, donc si on avait le choix, qu'est-ce qu'on ferait? Qu'on serait face à nos vrais engagements. Voilà, on peut aller résider en Suisse. C'est tout à fait faisable. Et Paul Dubrulle réside en Suisse. Oui, lui, il est à Coligny, hein, vous parlez de cette commune qui s'appelle Coligny, 5000 habitants. Colonie, 5000 habitants, une des 45 communes du canton de Genève. C'est une sorte de Uccle ou de XL à côté de Bruxelles, c'est ça? C'est ça. C'est le même oui. statut, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, c'est ça. On vous propose une promenade sociologique tout à fait délicieuse. Voilà, c'est... Et c'est vrai que c'est comme les parcs de Saint-Tropez, comme tous les ghettos du Gotha qu'on a pu visiter en Amérique latine, dans le monde entier. C'est la même chose, c'est-à-dire des grandes propriétés. Donc on donne les noms, puisqu'on essaye chaque fois de personnaliser. Puisque ce sont des noms qui sont connus, qui circulent, des gens qui occupent des positions de pouvoir, c'est pas être dans la délation. C'est normal qu'on sache ceux qui dirigent le pays, notre pays, qu'est-ce qu'ils font de leur pouvoir, de l'argent que leur donnent les responsabilités qu'ils occupent. Qu'ils soient élus ou pas, c'est tout à fait normal que nous, sociologues, nous vous indiquions ces noms. Donc, cette promenade sociologique à Coligny, j'en dis pas plus, vous verrez, c'est délicieux, c'est charmant. C'est une sorte de technologie. Voilà. Alors, je vous sentais piaffé d'impatience, depuis un moment, pour nous parler du paquebot de Bercy, ou plutôt précisément du verrou de Bercy. Donc, c'est à partir de la page 53. Le nom officiel, c'est la Commission des infractions fiscales, la CIF. Et ça a été créé sous Giscard à l'époque de Barre, en décembre 77. Alors, expliquez-nous ce que c'est que cette CIF-là. C'est moi qui le sais. C'est la Commission des infractions fiscales. Ah, oui, mais elle ne me regarde pas. Soit tu le dis, soit... Fais gaffe, il y a du monde. C'est bien. En plus, c'est en direct, alors... Oui, alors, donc... Est-ce que vous pouvez aller un petit peu plus loin? Voilà. On peut aller plus loin. Voilà. Alors, moi, je suis la reine du verrou de Bercy, donc c'est moi qui vais l'expliquer. Voilà. Alors, je crois qu'elle nous a repris la... Voilà. Et puis après, tu compléteras. Non, alors, le verrou de Bercy, la CIF, elle a été créée le 29 décembre 1977, à un moment où vous étiez tous en train de préparer le dindon, sans penser que vous alliez ce jour-là être le dindon d'une véritable farce fiscale. Parce qu'il s'agit là d'une véritable dérogation au droit commun qui fait que, finalement, il n'y a que le ministre du budget qui peut déposer plainte auprès du parquet sur les fautes d'un fraudeur et l'envoyer au pénal en correctionnel. Et, alors, vous comprenez la gravité de ce que je suis en train de dire, il n'y avait que Jérôme Cahuzac qui pouvait... mettre la tête sur le bio, se dénoncer lui-même pour être poursuivi en correctionnel. Donc voilà, alors du coup, le ministre du budget a cette possibilité, comme un chef de gare, d'orienter les petits poissons, vous verrez dans notre livre, des artisans, des petits poissons, en correctionnel, et là, ils se prennent de la prison avec sursis ou de la prison ferme, tandis que les camarades de classe sociale et de camarades de classe de l'ENA sont orientés vers des confessionnaux où, comme je l'ai dit, du statut de méchant fraudeur, ils passent au statut de gentil repenti dans un tour de passe-passe sémantique tout à fait délicieux. Ils payent une amende et l'affaire est terminée. C'est ça, le verrou de Bercy. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, vous dites que c'est dérogatoire au droit commun, et vous dites en même temps que tout le monde s'y est finalement retrouvé. Les sensibilités de la droite et de la gauche s'y mêlent harmonieusement dans cette CIF, symbolisant ainsi l'unité idéologique profonde des éléments du capitalisme. Voilà, bon, ça c'est dit. C'est bien dit, je trouve. Ah ben ça, je vous laisse la responsabilité et de l'écriture et du compliment. En même temps, on voit apparaître qu'il y a des étapes qui sont, non pas intermédiaires, mais parfois des incitations à grand renfort de communication pour dire... Venez vous dénoncer, enfin venez faire amende honorable en quelque sorte, venez rendre grâce,
Et puis, nous déciderons peut-être ou pas avec une certaine magnanimité. C'est un peu ça quand même, l'idée. Mmh. Oui. Ce qui se... Parmi les fraudeurs fiscaux, il y a des fraudeurs qui ont des sommes considérables en jeu, et ceux-ci sont dirigés par le ministre du budget vers les cellules de repentance, les cellules de dégrisement avant, et ensuite cellules de repentance, enfin, suivant les ministres en place. Mais ces cellules sont des instances d'évaporation de la faute dans lesquelles le prévenu, si l'on peut l'appeler comme ça, puisqu'il n'est pas passé devant un juge, les prévenus discutent avec des pairs, c'est-à-dire des gens de leur milieu social, des gens de hauts fonctionnaires, des conseillers fiscaux aussi, etc. Ils discutent de la pénalité et du remboursement de ce qui n'a pas été versé à l'État, c'est-à-dire de versement à l'État de ce qu'ils doivent, et de la pénalité monétaire qui sera ajoutée. Mais pendant ce temps-là, vous avez un fraudeur fiscal qui est un plombier, par exemple, qui a fait une embrouille avec la TVA. Il a comme ça, récolté 70 000 euros de bénéfices d'un goût douteux. Bon, lui, il est aussi trié, et il fait partie de ceux qui vont être dirigés vers la justice. Et il est déféré par le ministre du budget à la CIF, à la commission des infractions fiscales. Cette commission renvoie soit sur le système judiciaire, soit classe l'affaire lorsque ça n'apparaît pas important. Donc la commission va envoyer notre plombier sur la voie qui conduit directement à le fait que le parquet prend en charge cette fraude, et il y a un jugement, et Monique, nous avons assisté à champ correctionnel là. À un jugement. Il y a un plombier comme ça qui se retrouve avec des mois de prison avec sursis, mais enfin il y a des mois de prison. Et le réquisitoire de la procureure, vous pouvez le lire là, vous l'avez ? J'essaie de le retrouver. Non, mais alors c'est pas grave. Sinon, on aurait cru Mélenchon. C'était, mais vous vous rendez pas compte, 70 000 euros que vous avez escroqués à l'État, quand on pense que le SMIC est à 1 000 euros, est-ce que vous vous rendez compte ? Et la situation du peuple français, c'est un scandale. Et nous qui écoutions ça, sachant ce qui se passait par ailleurs pour les autres fraudeurs, on trouvait ça un peu gros. Mais c'était amusant, mais c'est pas grave. Alors on va continuer. Page 60, hein. Le monsieur a d'emblée reconnu avoir bénéficié de la part de l'administration fiscale de 70 000 euros de remboursement indu. Pourquoi avez-vous fait cela ? Demande la présidente. J'étais à la dérive, je n'arrivais plus à payer mon loyer. La présidente lui dit 70 000 euros escroqués, mais c'est énorme. Quand on pense au montant du RSA, la gravité de l'infraction est très importante. Voilà. Alors, c'est une conclusion là-dessus. Oui. C'est que Que vous serez puissant ou misérable. Il est très bon. Hein. Non, parce que c'est ce que vous dites dans le. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. C'est ça. J'ai besoin de comprendre quand même sur ces fraudeurs qui se sont présentés. C'est l'affaire d'Éric Woerth avec sa liste de cellules de dégrisement. Alors il dit, sur les 4725 repentis,
68 seulement figuraient sur la liste HSBC. Moi, je crois pas que ce soit Eric Woerth qui l'ait dit. Non, non, pardon. Ah, c'est nous. C'est vous qui dites ça. Sur les 4725 repentis, vous avez eu peur, hein, de passer pour vous. Bon. Ah non, c'est pas ça, c'est que ça aurait été trop... Sur la liste HSBC, 4657 autres contribuables aux comptes non déclarés ouverts en Suisse se sont présentés à ces cellules de dégrisement. Vous savez, moi, je comprends pas. Pourquoi ils se présentent et pourquoi ils avouent? Ben parce que d'abord, Eric Woerth n'avait pas dit que c'était la liste de Falciani HSBC. Il avait dit « j'ai une liste de 3000 fraudeurs ». Attention. Et comme les fraudeurs sont quand même très très nombreux, se sont présentés 4768 personnes et il y avait que, je me souviens plus, oui, vous venez de donner, oui, le chiffre, il y en avait que très 68 qui relevaient de la liste HSBC. Et donc c'était tordant. Nous, quand on ça prouve qu'on peut être riche et très con quand même. Parce que... Ben non, ben parce que c'est un vrai risque. Je veux dire, si vous ne déclarez pas votre argent, c'est quand même très grave. Et si vous n'êtes pas dans les copains avec les gens haut placés pour ça, vous risquez quand même gros. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'avec la liste d'Hervé Falciani, les repentis se sont multipliés et aujourd'hui, il y a plus de 48 000 dossiers qui sont ouverts dans la cellule de repentance de Bernard Cazeneuve. Mais ce qu'il y a de plus délicieux à savoir, et nous décrivons cela évidemment avec beaucoup de délectation par le menu, il n'y a à ce jour que 8400 dossiers qui ont pu être traités, parce que à Bercy, vous verrez que depuis 2002, il y a eu 30 000 fonctionnaires liés aux douanes et aux administrations chargées de la fraude fiscale qui ont été purement et simplement supprimés. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas les moyens de traiter tous les repentis qui se précipitent au confessionnal. Voilà, ceci pour dire que ceux qui sont pour la suppression des fonctionnaires devraient y regarder à deux fois quand même. Alors, je vais donner la parole au public et dire une dernière question. Dans votre texte, à la fin en particulier, dans votre conclusion, vous appelez carrément à la révolte. Hein, vous dites le cynisme de leur cupidité à tous ces fraudeurs est révoltant. Révoltons-nous. Hein, votre livre, c'est une sorte d'outils de dynamite pour qu'il y ait une prise de conscience générale de la fraude fiscale. Vous dites que c'est un révélateur de la réalité des classes sociales. La fraude fiscale est énorme. Et là, on a parlé des particuliers, plus des particuliers que des entreprises. Mais les entreprises, c'est aussi une évasion tout à fait faramineuse de sommes qui devraient venir dans les caisses des États, pas seulement en France, hein, dans beaucoup de pays. On est dans une situation assez étonnante dans laquelle on voit clairement que ce sont les élites de différents pays qui, d'une façon ou d'une autre, bénéficient de ces fraudes ou y participent. On pourrait peut-être conclure avec un élément assez troublant, c'est qu'aujourd'hui, le président de la Commission européenne est M. Juncker. M. Juncker a été le ministre de l'économie du Luxembourg. Et premier ministre du Luxembourg. Puis il a été donc nommé président de la Commission européenne. Monsieur Juncker, dans un pays comme le Luxembourg, étant ministre de l'économie et ensuite ayant toujours des informations, évidemment, ne peut pas ignorer ce qui se passe du point de vue fiscal dans son pays, puisqu'il y a un bureau, le bureau numéro 6 de l'institution fiscale à Luxembourg, dans la ville de Luxembourg même, où les fraudeurs, en général plutôt les avocats qui les représentaient, viennent signer les accords entre le Luxembourg et la société pour payer le moins d'impôts possible sur leurs bénéfices enregistrés au Luxembourg. Donc, M. Juncker sait très bien
ce qui se passe chez lui. Il ne peut pas l'ignorer, ayant été au premier poste de responsabilité. Et il est complice de quelque chose qui est hors la loi. Oui, mais Michel, alors ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que l'oligarchie européenne le nomme, le coopte pour être président de la Commission européenne et donc nous donne un signe très fort. Vous voyez, le Luxembourg a vendu sa souveraineté nationale. Vous voyez, c'est notre exemple, c'est notre drapeau, c'est notre porte-parole. Voilà, et donc, c'est la conclusion, on a bien raison de se révolter. Merci à tous les deux. Merci beaucoup.